Montréal à l'Afrique du Sud, justement, vous êtes au courant que c'est ce soir, dans quelques heures, qu'aura lieu le coup d'envoi de cette fameuse tournée Taking Chances. Alexandra Diaz est sur place. Alexandra, j'ai envie de te demander, tu as assisté aux répétitions, les images qu'on voit hier, est-ce que tu peux nous faire un condensé de ce que tu connais du programme, du spectacle de ce soir? Oui, absolument, Jean-Pierre, mais juste avant, continuellement que je partage avec vous une belle nouvelle. Je viens tout juste de parler au téléphone avec l'attachée de presse de Céline Dion et elle a rencontré Nelson Mandela. Ah, c'est fait. Je viens à peine de l'apprendre, c'est fait. Ça s'est passé ce matin, ça devait se passer demain matin. Bon, pour plusieurs raisons, ils ont devancé la rencontre. Personne ne pouvait assister à cet événement, à aucune caméra. Évidemment, je pense que sachant comme sa santé fragile à l'aube de ses 90 ans, ça va peut-être être indélicat, mais il y a une photographie qui a été prise, et là, ça, je vous assure que je vais tenter de mettre la main sur cette photo. 5 personnes pouvaient l'accompagner, oui. Il y avait René Charles qui accompagnait Céline, la maman de Céline, maman Dion, René Angélil et Patrick Angélil, le fils de René. Donc, on vient toujours de l'apprendre. Ensuite, j'ai parlé avec Stéphane Laporte, qui lui tourne un documentaire sur la tournée de Céline. Et il m'assure qu'évidemment, ça s'est très, très bien passé. Mais pour l'instant, on a peu de détails. Je viens tout juste de l'apprendre. Ça lui donnera une belle énergie, une autre énergie pour la première ce soir. Oui, vraiment. Je pense que ça va être une belle grande journée. Pour répondre à ta question, le programme de la soirée, et donc, ça commence autour de 19h. Pendant la première heure et demie, il y a des artistes qui vont se partager la scène, dont les deux grands gagnants de African Idol. Alors, ça, c'est très drôle. Et puis le Soweto Gospel Choir sera là et d'autres artistes internationaux que nous on ne connaît pas, dont un Italien, mais qui est très très populaire en Afrique du Sud. Et l'autre heure et demie, Céline vraiment occupe toute la place. Là. Alors elle est la tête d'affiche de cette soirée. Et ça, je me dirige tantôt là, tranquillement vers le Coca-Cola Dome, donc cette immense aréna où ça va se passer, mais ce sera formule banquet avec des tables, tout le monde assis, donc un beau concert bénéfique. Et on nous parle d'un medley probablement de deux chansons de Queen, il y aura un hommage aussi rendu à James Brown, est-ce que tu as entendu autre chose ou vraiment on aura la surprise dans quelques heures? Je ne sais pas si c'est confirmé que ces deux tableaux-là seront présentés ce soir parce que c'est une version écourtée du véritable spectacle de Céline qui aura lieu samedi. Mais oui, en fait, ce que vous savez, c'est les deux punchs que René tenait absolument à garder en secret. un hommage à Freddie Mercury et un tableau soul. Alors ça, c'est vraiment... mais bon, ça vient. Mais je ne suis pas convaincue que ça aura lieu ce soir. Faudra voir. Non, tu as raison de le dire. Il faut préciser aux gens que le vrai spectacle, avec la vraie scène centrale carrée, avec tout ce qu'il y aura de mise en scène, donc si on se fie à Yves Aucoin, le concepteur, et à Jimmy King, le metteur en scène, ce sera du côté de Manchester le 2 mai. Donc, il y aura beaucoup de rodage auparavant. Non, ce sera à Tokyo. Ça va être avant ça. Parce que les gens confondent Manchester parce que Jimmy King sera physiquement présent et ce sera de retrouvaille pour toute l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'eux parlent beaucoup de Manchester. Mais la totale, c'est à Tokyo. C'est juste que pour l'Afrique, pour des questions de distance, ils n'ont pas pu l'amener, mais c'est vraiment dès le 8 mars, là, bien avant ça. Manchester, c'est un party de famille. Ouais. Ben, merci beaucoup, Alexandra. Profite bien.